Bonsoir tout le monde. Bonsoir, salut. Excuse-moi, Gérard, mais c'est comme quelque chose d'anormal. Les gars. On dirait qu'on est trop de monde à la table. Excuse-moi. Es-tu pour ça, toi, Michel, la traduction, l'office de la langue française qu'on traduit tout maintenant en français? Ah, conserver notre langue française, non. Ben oui. Oui, écoute. Ma langue, quand je vais la conserver, je fais... Oui, je sais, oui. J'ai déjà vu ça dans les parties. Smoke meat, mettons. Traduction française de smoke meat. Bœuf fait... mariné. Ben non, bœuf mariné, c'est comme ça qu'appelle la Sûreté du Québec dans le Malbé. Mais non. Je comprends pas à ça, mais... Non, mais il me semble si ça... je mettais à changer tous les mots qu'on est habitué d'entendre en anglais, en français, on verrait tout mêler. C'est comme genre sandwich, hein, tout le monde. Sandwich. Sandwich. Hein? D'après toi, ça fait quoi, sandwich? Sorcière en sable. Facile. Club sandwich, d'abord. Non, ça, sorcière en sable, mais de boîte de nuit. Spare ribs, côtelettes de rechange. Bon, hein? Oui, ça va bien. J'en ai d'autres. Ketchup. Ketchup. Serrure à l'air. C'est ça, serrure à l'air. Mais c'est pas du ketchup, mais ça, une serrure à l'air, c'est un sandwich. Popcorn. Maïs populaire. Bon. Hot chicken. Hot chicken, ça, c'est poulet volé. C'est hot. C'est bon, ça. Ça, c'est dur. Un negrole. Rouleau noir ou rouleau de couleur, dépendant si t'es raciste. Cream puff. Ça, c'est un cream puff. Un pet crémeux, finalement. C'est ça. Corned beef. Ah, ça, je sais. C'est cornet de bœuf. Ouais, à deux boules, dépendant de la bête. Deux couleurs aussi, ouais. Banana split. Moi-tu te dire, c'est une banane écartillée. C'est ça. 7-Up, ça, c'est facile. Tout le monde sait ça, 7-Up, c'est 7 en l'air. Mais là, j'en ai une pour toi. La traduction française de Coke. Ouh! Traduction française de Coke. Ah, facile. C'est quoi? Gagne de Pepsi. Coke, Pepsi. C'est ça. Bon, ben, salut, Pepsi. On va aller voir. Là, j'arrive.